Salut, c'est Ike Edil. Je vous retrouve donc pour la suite de la présentation de la OGF Australian Map. Donc j'ai retrouvé mes mots. Donc tout à l'heure je cherchais en fait le mot fumier et lisier. Donc au Gardena Center, vous pouvez y vendre votre fumier et votre lisier produit par vos vaches. Donc actuellement sur la carte, nous nous retrouvons, nous sommes en fait à la Mac Mulligan Farm Map, donc le corps de ferme de la petite ferme de production pour la laine, les moutons, et pour la production du colza. Donc on va faire un petit peu le tour. Ici, vous avez le stockage, enfin la zone de réception des pommes de terre et des betteraves sucrières. Derrière moi, vous avez les toutous. Ouf, ouf, ouf. Votre petite maison. Très sympathique, cabane. Un petit peu petit à mon goût, mais très sympathique. Sur le côté, vous avez le réservoir de fuel. À l'intérieur, le stockage pour vider les pommes de terre et les betteraves. Alors, ce silo-ci, c'est en fait le silo de graines pour remplir les seeders, donc pour remplir les. C'est horrible, je connais les mots en anglais, je connais pas les mots en français. Les seeders, donc les semoirs. Alors pourquoi je connais je me trompe souvent avec les noms anglais et français parce qu'en fait je regarde principalement des sites américains, des sites allemands pour les modes et donc je connais les mots en anglais pour les rechercher et du coup je les retrouve pas quand je suis sur la partie en français. C'est bête mais c'est comme ça. Une zone pour vendre vos balles de foin, de paille et d'herbe. Les silos. Alors ici, ce ne sont que des silos de raps, donc de colza. Que des silos de colza, puisque le but en fait, l'idée c'est que vous commencez par cultiver uniquement ces trois productions-là, le colza, la patate et la betterave, avec un indicateur. Alors je ne sais pas s'il fonctionne. Parce que quand j'avais rempli mon silo, pour l'instant je vais vérifier, mais je crois que mon silo est vide. Oui, colza, le silo est vide. Quand j'avais rempli mon silo de colza, j'ai oublié de vérifier si l'indicateur de niveau fonctionnait. Alors normalement il doit fonctionner, mais j'ai pas vérifié. De toute façon, si il ne fonctionne pas, on peut être sûr qu'ils vont le modifier dans une prochaine version de la carte. Donc, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est encore une version bêta. Donc, tout n'est pas parfait, mais connaissant la team EGF, ils vont rapidement régler le problème. Alors le petit panneau, donc en fait, qui vous dit que vous pouvez regarder le niveau de stockage et qui vous dit que ici ne peut être stocké que le colza. On continue notre petite visite. Des zones de stockage, de matériel. Ici, vous avez le stockage des produits phytosanitaires. Derrière le petit hangar, vous voyez aussi, voilà, hein, ce que je vous disais. Derrière le petit hangar, vous avez le poulailler avec des autruches, je pense. Oui, ce sont des autruches. Alors, vous voyez tout de suite l'ambiance de cette carte. Hein, donc, la texture des rochers qui est très agréable, l'herbe rasse, les arbres qui sont donc des arbres qui ont été rajoutés par la team EGF pour un certain nombre d'entrées, en tout cas pas tous. Donc sympathique. Et dans le fond là ça ressemble, des arbres qui ressemblent presque à des pins parasols. Donc ça correspond, l'ambiance correspond vraiment à une ambiance un petit peu aride, à des terres arides. Alors je continue ma petite visite. Il nous reste 10 minutes. La production
hop. De moutons. Alors, on n'a pas besoin de pailler les moutons, bien sûr. Hein. Vous avez ici la stabulation, qui est vide pour l'instant, l'auge, en fait. Alors, par défaut, voilà, le petit mouton qui vient boire. Non, qui vient manger. Alors, d'origine, vous n'avez pas de mode pour l'eau. Donc, moi, je l'ai rajouté. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Donc, vous pouvez donner à boire à vos animaux, également aux vaches. Et quand vous leur donnez à boire, ça augmente la production de 10%. Donc, les moutons, par exemple, ici, vous voyez que... Non, il ne l'a pas encore affiché, la productivité. Donc, elle va s'afficher plus tard. Il faut un petit peu de temps. Il faut que le jeu soit démarré depuis quelques temps. Ou que j'accélère la vitesse de progression pour que la productivité augmente. Sachez que si vous avez rempli l'auge, vous avez donc une productivité de 100%. Et si en plus vous mettez de l'eau, ça vous donne une productivité de 110%. Ici, la réserve d'eau. Alors comme je vous parlais, l'ambiance de la carte. Hein, donc il y a plein de petits personnages comme ça. Ici, ils sont en train de prendre la laine, de préparer la laine, de raser les moutons. Voilà. Bon, c'est des moutons bien élevés, c'est-à-dire que c'est ouvert, mais ils sortent pas. Ce serait pas mal de rajouter une barrière ici. Hein. C'est des moutons éduqués au doigt et à l'œil. Vous pouvez aller dans le champ, quand vous prenez un tracteur, ici, la porte s'ouvre. Bon, c'est un champ, hein, rien d'étonnant. Rien de particulier, la zone de stockage, là, ici, juste à côté. Voilà. Alors, à côté de la ferme, il reste 5 minutes. Juste à côté de la ferme, vous avez un petit champ. Voilà, un champ d'herbe. Et vous voyez que c'est de l'herbe rase, comme je vous le disais. Oui, forcément, c'est un climat chaud. Qui dit climat chaud, dit que l'herbe ne pousse pas vraiment bien. Mais c'est suffisant pour les animaux, pas de problème. Et le drapeau australien. Donc voilà, vous voyez, hein, c'est... En tout cas, moi je trouve qu'il y a une vraie ambiance. Oula. Moi je trouve qu'il y a une vraie ambiance sur les cartes de la team EGF. Alors les quelques minutes qui nous restent avant la prochaine vidéo, je vais en profiter pour parcourir un petit peu la carte. Donc nous nous trouvons ici à bord d'un class Xerion 3800 que je vous présenterai. C'est un mode sympathique que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Alors ici, à l'origine, quand vous téléchargez la carte, vous voyez les champs 1, 2 et 3. Moi je les ai réunis en un seul grand champ. Mais par défaut, si vous téléchargez la carte, donc il n'y a que 3 champs. Alors, je trouve le volume du jeu. Voilà. Alors par défaut, ici, juste ici, il y a une série d'arbres. Donc dans la version d'origine de la carte, il y a un arbre qui a été mal posé et qui empêche en fait les tracteurs de passer. Donc je les ai enlevés. Je vous montrerai comment faire avec l'éditeur de cartes, tout simplement. Voilà, un petit peu partout, vous avez comme ça des petits hangars de stockage. Permettre de déposer vos matériels aux abords des champs. Alors, je vais vous montrer encore une autre particularité des cartes ici, c'est qu'en général, ici ça ne se voit pas tellement, mais en général, dans la plupart des champs, les champs ne sont pas plats. C'est-à-dire ils ont des bosses. On va plus sortir la caméra de là. Voilà, là on le voit très bien là.
voilà. C'est-à-dire que les champs ne sont pas planes. Je n'aime pas trop les cartes où les champs sont plats. Parce que en général, je trouve pas ça réaliste, quoi. Champ, c'est rarement parfaitement plane. En général, les modeurs de cartes, soit ils font des champs très plats, ou soit ils font des champs, c'est juste impraticable, ça n'existe que dans les Alpes. Bon, il faut être quand même un minimum réaliste et un minimum praticable, je pense. Hein. Faut pas trop, malgré le fait que ce soit un jeu de simulation, ça reste un jeu vidéo, donc il faut pas trop non plus. Faut pas tuer le jeu, je pense, en faisant des choses ultra réalistes qui au final ne sont pas trop praticables. Voilà. Je vais vous montrer vite fait. Et le cours d'eau ici, c'est vivant, c'est pas droit, c'est pas rectiligne, il y a des roseaux sur les bords, bref, c'est joli. Voilà le terrain de rugby. Alors, il y a des plaques un petit peu partout là, ici, hein. Vous voyez la plaque à gauche qui vous dit aller vers le moulin et à droite vers la distillerie. Alors si je me mets ici, ce n'est pas par hasard, j'attends en fait le passage qui ne viendra pas. C'est pas grave, on aura l'occasion de le voir plus tard. En fait, sur cette route, il y a un train de camions qui passe, comme sur les grandes routes américaines et les grandes routes australiennes. Donc les trains de camions, c'est un camion avec des remorques gigantesques, sur 3, 4, 5, 6 remorques parfois même. C'est pour ça qu'on les appelle trains routiers d'ailleurs. Et donc il y en a un ici qui voyage régulièrement. Et il est bien fait parce qu'en fait ils ont désactivé la collision dessus. Vous voyez, le terrain n'est pas plat. Ils ont désactivé les collisions dessus. Voilà, vous voyez là, attention, road trains. Si bien que si vous utilisez la carte en online, vous n'avez pas le même problème que les trains sur beaucoup de cartes online, c'est-à-dire que si jamais par hasard vous veniez à percuter le train, ça vous ferait voltiger dans tous les sens et vos copains ne vous verraient même pas, enfin en tout cas ne verraient pas le train, parce qu'il y a un décalage temporel entre l'affichage du train et le moment où vous le voyez effectivement. Donc ça va faire une quinzaine de minutes. Donc je vais arrêter ici et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.